Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler comment brancher deux capacitors en série. Et donc c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Et donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau pour ne pas louper aucun de notre nouvelle vidéo. Donc là, j'ai avec moi deux capacitors et c'est un capaciteur de 40 à 46 microfarads. Là, vous pouvez vous observer et c'est un capaciteur trimix. C'est un capaciteur trimix. Là, vous voyez, il y a trois parties et il est constitué de trois parties et le running et le starting et le fin capacitor. Donc ce capacitor est capable de faire démarrer le compresseur, le fin et le ventilo. Donc ce capacitor est aussi utilisé dans les pays anglophones et francophones. Donc là j'ai avec moi ces deux capacitors là. C'est un capaciteur de 15 microfarads et l'autre qui est de 40 à 46 microfarads. Donc là tout de suite, et je vais placer en série. Et donc dans cette image, le symbole du condensateur est représenté par ceci. Voilà. Maintenant je vais relier ces deux condensateurs là en série. Donc là, et j'ai déjà parlé de ça, c'est un condensateur trimix. Et notez bien, on dit condensateur ou capacitor. Donc là, je vais tout simplement de trouver le running. Voilà, c'est la partie, c'est l'entrée et de l'alimentation et du condensateur. Je vais placer l'autre fil et là, voilà. Et ces deux capacitors là sont déjà placés en série. Alors là, si le condensateur était la première condensateur était une condensateur de 45 à 46 microfarads, lorsque je mets un condensateur de 15 microfarads, alors là ça augmente la puissance du condensateur. Donc merci, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Donc avant de mettre fin à cette vidéo, voici quelques conseils pour et augmenter la puissance de votre condensateur et ou capacitor si votre condensateur est en défaillance. Alors vous pouvez tout simplement ajouter un capacitor de 15 microfarads ou de 10 microfarads. Donc et voilà les amis, et c'est tout pour aujourd'hui et on vient d'atteindre la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau pour ne pas louper.